Bon, et Peggy, je pense que... Cérémonie de réouverture des tribunaux. Alors, comme le veut la tradition, donc, premier lundi d'octobre, c'est date reprise de travaux judiciaires. Et comme le veut la tradition, donc, c'est cérémonie à la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire. Cérémonie présidée par la Cour, mais certainement avec des acteurs, dont les avocats qui sont des auxiliaires de la justice. C'est cérémonie côté autorité, prend la parole, tout, les autorités de l'exécutif, etc. Alors, lundi, ça qui t'est passé, c'est que ça qui était plus important pour avocats, c'était une marche qui t'a commencé Cour de cassation. Alors, on t'a dit, en marge de la cérémonie d'ouverture des tribunaux, il y a pu rassembler. Et la direction sera le cabinet du bâtonnier assassiné. Et grande a été leur surprise une fois arrivé. Alors naturellement, depuis leur affaire zone, non, ouais, que URGPN occupait toute zone. Leur passer dans telle barrière pour entrer dans la cassation, c'est URGPN qui a dit non, c'est pas barrière ça, c'est telle autre barrière. Arrivé dans ça, là, on l'a du URGPN, etc. Donc ça te paraît une sorte d'agression pour les journalistes, pour les avocats. Parce que d'abord, c'est pas dans le palais national pour aller. Donc, il y a confronté agent URGPN, il va pas dans palais. Et c'est ça. Mais naturellement, si le président prend dans l'espace, il est normal à ce que il y ait des contrôles de sécurité qui fait ça lui-même, il est normal. Maintenant, l'arrivée devant le portail principal pour Andrea, qu'est-ce qu'on vous dit? Agent URGPN dit que, alors, toujours il y a un monde de coups cassation qui est là, mais c'est un coup son photocopie. C'est l'agent URGPN qui a décidé. Ok, et est-ce que non solis là? Cérémonie de réouverture des tribunaux, pas une question de non solis, les avocats ont accès à la cérémonie. Et t'es gon cas vivant, c'est Maître Gerdy Lissad, qui sont avocats qui se passent de présentation. Le monsieur paraît, monsieur pas qu'à rentrer, monsieur dit bon. Monsieur dit il y a 41 ans depuis l'avocat, c'est première fois. Maître Gerdy Lissad, que le font constat comme ça. Maintenant, gagne moun qui dit que bâtonnier là ont empêché l'entrée. Pour l'histoire et pour la vérité, non. C'est pas vrai, c'est menti. Ils ont pas empêché bâtonnier là entrer. Bâtonnier t'es déjà présent dans la salle là parce que t'es de cassation t'es invité conseil là vos trois représentants. T'es gagne bâtonnier là. Et t'es gagné Maître Benson Pierre-Louis, secrétaire du conseil, etc. T'es gagné l'autre avocat qui dans le conseil là, qui était là. Tout le monde s'est déjà en dedans. Donc, question même temps des médias qui fait erreur là, qui dit que y'a interdit bâtonnier à la rentrée, c'est pas vrai. Ça, c'est pur mensonge. Et la vérité des faits n'a pas rétabli dans le moment de vérité. Maintenant, le. Y'a pas interdit de rentrer vraiment? Menti. 100% faux. Oh. 100% bon, faux. Et sur les bâtonnets là, qu'on est là, je dis, non, t'es dans la salle là, il n'y a pas interdit bâtonnets là. Voici le film de l'entrée. Non, c'est pas que t'es interdit l'entrée, non. C'est que, d'après ça, me t'as dit, bon, donne les faits. Non, vous ne dire, non, vas-y. Ma bon, fait incontestable. Et il y en a un avocat qui a expliqué ça bien, d'ailleurs, qui joue un rôle important pour faire bâtonnets à sortie. C'est Maître Weber Paul, okay. Qui est trésorier du Conseil de l'Ordre, qui lui aussi a été bloqué à l'entrée, hein. Maître Robert Paul, fâché, monsieur dit, pas comprendre ça qui a passé là, etc. etc. Monsieur fâché, monsieur dit, nous finissons tuer bâtonnier, ça n'a pas assez, etc. Monsieur dit que, et puis ça qui était triste, c'est le fait que c'est agent URGPN qui a venu ça pour faire. Or, agent URGPN n'a pas de place là. Sauf peut-être pour un check de sécurité, puisque le président allait venir dans l'espace là. Maintenant, Maître Robert Paul a pris son téléphone. Il a appelé la bâtonnière. Bâtonnière, c'est Maître Robert Paul. Avocat bloqué dehors, maintenant commencez à gagner 6-7 avocats bloqués. Avocat bloqué dehors, pas de place ou en dedans encore. Nous m'en pour sortir. L'irélé Maître Benson Pierre-Louis, tout est déjà siégé à la Cour de cassation. L'irélé Maître Robert, alors l'homme dit siégé en façon de parler, puisque bon, c'est juge qui tape siégé. Et l'irélé Maître Robinson Pierre-Louis. Maître Pierre-Louis, c'est Maître Robert Paul ou pas de place ou en dedans si. Puisque avocat bloqué dehors. Et puis, c'est ainsi que la bâtonnière, ainsi que Maître Robinson Pierre, lui, ils ont sorti, ils ont quitté salle là.
sous demande maître Weber Paul qui lui-même tout est bloqué. Mm-hmm. Parce que parfois journaliste arrive sur les lui en retard, yo pas chercher bon information hein, etc. Puis yo tomber en bon l'autre monde qui gagne l'autre motivation, qui dit yo tout bagarre etc. Mais moi même dans Genèse question, m'étais là parce que m'étais fait presque 2 heures de temps devant barrière d'entrée. Naturellement, j'ai été bloqué comme avocat aussi, mais m'étais qu'à rentrer sous avec chapeau journaliste. M'étais choisi pas d'entrer avec chapeau journaliste parce que c'est comme avocat m'étais allé. OK? Puisque m'a allé comme avocat, m'a pas utiliser chapeau journaliste pour m'entrer. Donc, m'a été, etc. Donc, maintenant, y'a fait bâtonnier à la sortie, bâtonnier à la quitter salle là. Quitter salle là, le sortie. Maître Robert Paul encore fait, Maître Robinson Pierre lui quitter salle là, sortie. Et puis, y'a sorti. Y'a dit, si avocat bloqué, nous même nous pas qu'à arrêter dans l'activité, y'a sorti dehors. C'est maintenant que avocat y'a grossi, etc. Et puis, bâtonnier là dit que, discours t'a pas le présenter, l'a tout présenté devant barrière. L'a tout présenté devant barrière là et puis côté hier on va l'utiliser pour démarrer marche là. OK? Donc la bâtonnière pour l'histoire et pour la vérité était déjà dans la salle quand elle a reçu un appel du trésorier du Conseil de l'ordre, maître Weber Paul, lui demandant de laisser la salle puisque il y a l'autre avocat bloqué, donc avocat pas gain droit bloqué dans cérémonie réouverture des tribunaux. Maintenant et puis, discours à présenter, là, etc., vient gagner 100 d'avocats environ. Et puis, il présentait discours à là, et puis, match là, fait. Ou même quand tu étais dehors, bien dedans. Moi, j'étais dehors, parce que je fais partie de avocat, je fais partie de troisième avocat que j'ai bloqué. L'homme arrivé, je viens deux qui a protesté. Donc, je me présentais comme avocat. Pas de gain toujours sous. Tout avocat bloqué, c'est pas question de toujours. Pas de gain toujours, mais un peu l'avocat est gain toujours. OK. Mais il y a pas qu'à compte sous c'est avocat ou pas avocat, c'est pas un tojou sous. Non, moi présenter moi comme avocat. Ah OK. Marie-Hélène Gilles t'es là tout comme militant de droits humains, responsable d'organisation de droits humains, elle avait une lettre d'invitation. Donc maintenant il y a une information qui dit que c'est le fait que président Bralvini, président craint que il y a des avocats profiter pour dire à balle en dedans, c'est ça qui dit. Même moi crois que le fautif dans la question c'est la Cour de cassation. Parce que la gestion de la Cour de cassation n'est pas assurée par le Palais national, mais c'est par la Cour de cassation. OK? Donc, je pense que faut nous responsabiliser, mon yo. Si quelqu'un se laisse vassaliser par quelqu'un d'autre, c'est pas le vassaliseur que je vais surtout accuser, c'est celui qui accepte d'être vassalisé. Alors, c'est une possibilité que le territoire est grand monde tête là. Donc, ça veut dire la Cour de cassation fait jouer jouette là. Voilà pourquoi avocat a protesté. Tu même dit que il a fait plusieurs années au pas venir dans cérémonie ouverture des tribunaux, pas qu'on ait si validé ça mais tu gon protestation comme ça. Donc bâtonnier là, tu déjà dans salle là, quitter salle là et tu gon 2-3 grand avocat et puis au fait au sorti. Parce que sous pas de sortie, tu quand même une possibilité de sanction puisque avocat yo un indivisible dans position yo pour la corporation. Mais pour l'histoire et pour la vérité, il n'y a pas de bloqué bâtonnier. Bâtonnier était déjà dans la salle-là. Dans la salle-là, il était bloqué avocat, il n'y a pas peur de protestation. Il était bloqué simple avocat. L'homme dit simple. Il n'y a pas de bloqué simple avocat seulement. Il était bloqué, par exemple, le trésorier du Conseil de l'ordre. Donc, c'est la lettre de la Cour de cassation a été acheminée au barreau. C'est un commandant pour voir 3 représentants. Donc, bâtonnier à la d'office. Et puis, la bâtonnière s'était fait accompagner du secrétaire du Conseil de l'ordre, Maître Robinson Pierre, lui, et quelqu'un d'autre. Peut-être Paul Rachel Cadem, pas son chien. Bref, c'est ça. Donc, c'est ça la chose. Maintenant, le Jovenel Moïse vient à rentrer, et puis, tu as gagné quelques avocats, avec quelques militants politiques qui étaient là, tout, qui t'ont profité, et j'aurais Jovenel précisé que Jovenel à la base de l'assassinat bâtonnier, etc., etc. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça, et le film de l'événement, qui arrivait devant la Cour de cassation. Alors, un élément fondamental que je ne peux pas oublier, la Cour de cassation, face à la protestation des avocats, la Cour de cassation, ah oui, ça sont éléments tout que la presse presque pas relaté, la Cour de cassation a délégué son responsable de communication qui était venu présenter des excuses aux avocats bloqués à l'extérieur et les demander et leur demander justement d'entrer. Donc, ils ont été demandés pour entrer, pour tout avocat entrer, les excuses de la cour,
c'était un malentendu, etc., etc. Donc, c'est comme d'autres les policiers qui étaient là, qui n'ont pas comprendre, même si pas qu'un monde qui prend ça pour vérité. Mais en fait, c'est ça que dit, et dans ce sens-là, ils ont présenté excuse à l'avocat et demandé à l'avocat pour y entrer. L'avocat a dit non. Moment, vérité. C'est déjà un gif, donc nous pas intéressé à entrer encore. Et puisque ça était plus important pour l'avocat ce jour-là, c'était pas la cérémonie en soi, mais c'était la marche qu'il allait organiser, eh bien, avocat a tout utilisé devant Andrea comme lieu de rassemblement, et puis il a organisé marche là. Très bien. Voici la vérité des faits. Alors, Peggy. Autour de ce dossier. Excellent. Je pense que l'heure va avancer sur nous, parce qu'à 10h, faut que me prendre la poudre d'escampette, comme on nous dit. Ben ça, non? Oui. Faut qu'inviter à rentrer. Gomba, comme tu as aimé nous souligner, sous rien d'autres faits, c'est, par exemple, le Conseil de sécurité, ou en particulier, monsieur Antonio Guterres, comme nous dit, c'est le secrétaire général des Nations Unies, dans une déclaration côté monsieur dit que le taux de mort violent est baissé grâce au G9. Autant de bazar. Et pourtant, son bail qui a fait actualité. Mais où qu'on est, les impalés du rapport du secrétaire général des Nations Unies, son rapport, par exemple, Jean, ça a fonctionné, c'est que chaque année, les représentants du secrétaire général des Nations Unies,